Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Plateforme politique Réponse Paysan l'Ouest a salué Premier ministre Ariel Henry et tout reste membre gouvernement. Pour j'effort y a fait pour y rejoindre un bon chita parler à toute petite nation pour yo ka débloquer pays a dans situation difficile qu'elle trouvait aujourd'hui. Plateforme politique Réponse Paysan l'Ouest a demandé pour Premier ministre Ariel Henry prendre toute disposition pressé pour lui résoudre problème insécurité a dans tout pays a. Jean tout le monde constate le pays a bloqué depuis un bon bout de temps. Les nous prend Matissan qui bloqué 4 autres départements tant que Sid, Sides, Nip, Grandens et plusieurs autres communes dans le département l'Ouest là. C'est pour ça nous demander pour le gouvernement qui là fait un passé main dans KEPA. N'a pas rappelé que plateforme politique Réponse Paysan l'Ouest pas de problème personnel avec monde qui dans KEPA. Plateforme politique Réponse Paysan l'Ouest a demandé justice et réparation pour le président Jovenel Moïse et toute famille. Nous constatons l'enquête qui gagne dans le dossier président Jovenel Moïse qui était assassiné Pèlerin 5 dans la commune Pétionville, jour la nuit 6 pour le 7 juillet 2021. Nous avons demandé au commissaire gouvernement pour le mettre en bas code tout le monde qui gagne doit être trempé de près ou de loin dans le président Jovenel Moïse. 12 août 2017, 12 août 2021, ça fait 4 ans. 4 ans depuis le parti consulat vie souterrain. La travaille avec jeunesse, la travaille avec la population haïtienne, la fait formation, la vendre idéaux démocratiques. 12 août 2021, journée mondiale de la jeunesse. Son date symbolique, ce n'est pas pour grand merci, parti consulat vite choisi date ça pour créer et pour travailler de concert avec jeunesse haïtienne. Dans ce sens, dans l'occasion 4 ans anniversaire parti consulat vie, dans l'occasion journée mondiale de la jeunesse, parti consulat la vie, voyez un message clair à tous les jeunes garçons et les jeunes femmes dans le pays pour dire qu'ils ont nécessité pour mettre tête ensemble, qu'ils ont nécessité pour travailler pour permettre aux jeunes garçons et aux jeunes femmes d'émerger réellement dans le pays. Ce n'est pas pour sans raison, objectif général parti, c'est travail pour bien-être physique et mental, toute famille dans le pays, en particulier toute population haïtienne. Dans l'occasion, 4 ans d'existence, nous, dans l'occasion, journée mondiale de la jeunesse, dans une conjoncture politique qui est difficile comme ça, le parti consulat la vie a invité jeunes garçons et jeunes femmes dans le pays pour prendre responsabilité de tête, pour être d'accord, pour nécessité pour mettre tête ensemble. Dans la conjoncture, il est plus que nécessaire pour jeunes garçons et jeunes femmes jouer rôle par eux, jouer partition par eux. Dans le cadre 4 ans d'existence, parti consulat la vie qui était créé 12 août 2017, donc ça montrait c'est pas pour rien et date ça une dimension de symbolisme là-dedans, c'est parce que justement des jeunes garçons et des jeunes femmes étaient estimés une insatisfaction totale malgré tout effort fait avant, et bien ils n'ont pas qu'à participer réellement même si vous voulez contribuer, l'impossible pour eux. Donc justement nous t'ai dit en nous venir avec alternative ça qui gagne 4 ans aujourd'hui. 4 ans après, c'est vrai sur le plan interne, nous faisons un pile travail, j'en statue à Mandel, mais nous rendons compte que le contexte sociopolitique, conjoncture gagnant toujours dominé, empêché de faire travail que nous devons faire. C'est scandale, son pays dans la boue, image pays a crasé, eh bien, il mène à s'annier jour et jour. Donc, si nous rendons compte que le parti consulat la vie, les patrons intervenus là après, c'est parce que le sujet, il n'y a pas grand Yahweh à sa statue parti à dire, à vision parti. Il n'y a pas grand Yahweh à mission parti. Il n'y a pas grand Yahweh avec véritables éléments fondamentaux que parti chita sou yo. Donc ça gagne là, c'est des scandales. D'ailleurs, nous rendons compte dans qui état pays a hier journée aujourd'hui jusqu'à ce que le soldé par assassinat au président en dans chambre la caille. Et c'est pour ça aujourd'hui nous remercions la presse là, qui présent. Que nous te voulons dire que nous avons des travail sur le terrain à faire parce que ça important c'est recruter même à travers 10 départements
paysan, c'est faire formation pour mambio, c'est aider à comprendre ça démocratie, c'est aider à comprendre ça institution, c'est aider à comprendre ça droits humains, c'est aider à comprendre engagement et participation pour contribuer non véritable de transformation d'abord mentale, non véritable révolution mentale, ça va dire, j'en pense, c'est ça qui est fondamental d'abord et c'est pas où c'est au cap mener à des véritables actions, actions positives qui vous permettent de vivre ensemble dans l'existence, qui vous permettent de stabilité politique, qui vous permettent de stabilité économique, et, mais c'est à travers la production. Eh bien, parti politique en cap travail pour le prendre pouvoir lui-même, c'est qu'on s'alouel, et c'est peut-être ça, nous pas nager dans l'eau, la boue, corruption, qui a traversé le pays, qui a assassinat là-dedans. De cette journée de la jeunesse, moi j'ai envie de vous dire, jeunes d'Haïti, de vous engager justement à trois niveaux. Et trois niveaux d'engagement, ça, c'est qui ça? Il faut que nous soyons un monde, homme ou femme, pleinement, pendant que nous avons trois engagements. Ça. Bon, premier engagement, nous capable de dire qui est très égoïste, qui est personnel. Un jeune fait pour gagner des ambitions personnelles. Donc moi-même, j'ai envie de dire, jeune haïtien, il faut que nous exister, donc vivre dans une société côté nous gagner des ambitions, nous tracer un chemin, nous avons une route, nous avons une vision de tête pas nous. C'est égoïste un petit peu en disant ça comme ça. Mais c'est le premier engagement. Le premier engagement, ça, on va faire deux lotios. Deux lotios, c'est deuxième nom, on a dit son engagement communautaire. Exister, mais à travers des organisations. Et troisième niveau d'engagement, c'est l'engagement au niveau national. C'est un bon engagement personnel, quand on a une ambition personnelle, ou vient quelqu'un de main, ou voulez agir dans la société, ou commencer à faire à travers des organisations citoyennes, de la société civile. Eh bien, pour commencer à projeter tout dans la nation. Ton existence est dans la nation. C'est à ce moment-là que tu deviens leader. C'est à ce moment-là que tu as une reconnaissance aussi de la communauté. Et maintenant, tu as projeté tout dans des responsabilités politiques, peut-être, pourquoi pas, des responsabilités de citoyens, des responsabilités. L'éducation aux médias traditionnels, aux médias tout court et à l'information. C'est un sujet de préoccupation mondiale lié, je veux dire. C'est l'affaire des gouvernements. Tu vas jeune seulement, non? Tu vas réfléchir, tu vas sur les médias, non? C'est l'État qui prend en charge ça, parce que l'État a tellement de transformations, je veux dire, des sources d'informations, que l'idée d'être lié, je ne vais pas quitter pays, je ne vais pas quitter jeunesse pays, moi, à patauger dans l'information, ça va prendre côté de aller. Parce que c'est là qu'on se forme. À travers les médias. C'est là que les jeunes se forment, à travers les médias, on a dit traditionnels, et aujourd'hui, à travers quoi les médias? En ligne, les médias sociaux. Donc, il y a 10 ans, bon série d'informations qui partent à la portée de nous, qui aujourd'hui à la portée de nous. Évolution, ça y est, c'est des progrès que vous avez, mais en même temps, tu crées un danger. Parce que jeunes, nous, tout le monde, il y a trois informations qui ont circulé vingt-deux. Donc l'arrivée des médias sociaux, je vais me rappeler comment créer les médias sociaux. Alors, ça aurait les médias citoyens, le journalisme citoyen. Ils ont fait à partir de l'année 2000-2010, si mes mémoires sont bon, ils ont commencé à créer un phénomène que le monde qui a communiqué des nouvelles pour compte lui sans que dans un journaliste. Vous voyez, le journaliste citoyen. C'est-à-dire, au témoin d'un événement, ou prend photo événement, et pour dire, mais ça qui passe, ou écrit, ou ça qui passe. Je veux dire, ça va me faire plus en Haïti, là, l'éducation aux médias sociaux et à l'information. Les médias sociaux sont pourvoyeurs d'informations, sont pourvoyeurs de nouvelles. Donc, nous imaginons, nous, là, nous sommes capables de faire avec téléphone cellulaire, nous. Donc même j'ai tout le monde qui plein côté dans la capitale là qui doit raconter n'importe quelle histoire avec téléphone cellulaire par là. L'esprit scientifique et intelligent intellectuel met toujours en doute quelque chose. Il n'y a pas pour véhiculer des bagages, ça ne va pas nous allier. Pour nous-mêmes, jeunes intelligents, nous faisons ça. Pas véhiculer tout le bagage, mettez des bagages en doute. Et l'homme est en doute, on va chercher qu'on est si c'est vrai avant de véhiculer. Il faut nous chercher, il faut nous trier, il faut nous hiérarchiser pour nous raconter ça qui est vrai et ça qui n'est pas vrai là-dedans. Il faut que nous fassions une démarche, je ne vais pas dire professionnel parce que nous avons un circuit professionnel, mais il faut que nous une démarche de responsable, de responsabilité comme citoyenne et citoyen, pour nous dire avant que nous diffusions l'information, avant que. Donc c'est ça, l'éducation aux médias sociaux
et à l'information que les gouvernements se chargent aujourd'hui de faire. Parce que justement, si on n'a pas fait ça, ou imaginons là l'école, si mon n'a pas de bagages sur les réseaux sociaux, n'est pas de bagages sur Internet, et même le couvrir, et puis c'est une fait éducation, il faut une éducation biaisée totalement, parce que le quitter c'est plus traditionnel, c'est plus normal là. En plus, on a toujours la technologie, téléphone, ordinateur, bagages sophistiqués. Ce n'est pas vrai. La technologie va toujours connecter avec ça. Ça veut dire que la technologie elle continue à évoluer. Je m'a réellement aimé que nous que technologie pas toujours connectée, soit avec téléphone intelligent, ordinateur, technologie capable toujours de progrès qui fait dans un pile bagaille que nous utilisons dans la vie qu'on nous chaque jour. Monde nous a évolué. Ça veut dire que nous-mêmes tout nous supposons faire qui ça, adapter nous. Et puis une autre bagaille, c'est favoriser apprentissage nouvelle technologie. Ça veut dire que c'est extrêmement important et urgent le nous entrer dans la nouvelle technologie. Un, que nous adaptons rapidement, nous apprenons bon bagaille pour nous. Deux, que nous favorisons apprendre nouveaux bagages. Troisième point, c'est qui gens pour nous rentrer là-dedans. Qui gens pour nous rentrer là-dedans, il dépend du contexte. Je ne dis pas étudier médecine, je ne dis pas étudier droit. Je dis étudier médecine, continuer à améliorer, continuer à former tout. Continuer à mettre de nouvelles technologies dans ça que on va apprendre. Et puis quatrième point, qui bon côté technologie? Technologie bon. Technologie très bon. Le fait que nous pas travail, le fait que nous pas qu'un amusement, nous pas un cinéma, les difficiles que nous venons dans la bibliothèque ça là chaque jour par rapport avec insécurité, par rapport avec coût la vie, hein, nous rester la caille nous. Comme nous manger comme ça. Nous avons besoin d'un bagage qui pour amuser nous. Et c'est ça qui vient faire que en pile fois, nous avons monde qui peut amuser monde. Ça veut les humour noir, dit bêtises, jouer monde sous social media, c'est monde ça qui gagne plus fanatique. Quatrième citoyen active là, c'est un événement JCI. Les rentrer dans plan d'action JCI Haïti, côté que tout OLM yo a gagné pour yo organiser dans un jour qui a sorti 1er août pour arriver 14 août. Donc événement ça, c'est pour qui but, c'est arriver sensibiliser jeunes yo à responsabiliser yo en tant que citoyen. Donc, en tant que citoyen, pour connaître qui responsabilité dans la société, hein? Et puis tout pour être capable d'identifier tout comme des acteurs de changement. Donc, changement, ça suppose un changement qui dure. Tout OLM a une commission organisée 15 ans. Donc, il y a organisé 15 ans, il y a supposé identifier un problème dans la région côté OIE. Hein? Donc, à partir de là, il va venir ensemble avec des. Qu'est-ce qu'on va chita sous des activités qui pourra viser à résoudre ou bien porter des éléments de solution pour problème ça. Donc nous-mêmes, nous ouais avec et champ information diffusée sur réseaux sociaux, avec flux d'informations qui souvent pas vrai, qui capable et causer mal avec monde, qui gagne ses propagandes tout ça. Donc pour nous éviter tout ça, nous avons essayé ouais, comment nous sommes capables de porter des éléments de solution, montrer jeunes yo, comment pour capable vérifier fiabilité information. C'est ça qui fait nécessaire ça tout pour activité ça, nous avons gagné un tour médiatique pour nous être capable de gagner quelques informations, pour nous être capable de gagner une idée comment traiter l'information et diffuser. D'abord, le thème c'était transformer le système alimentaire des observations des jeunes pour la santé humaine et de notre planète. Ça c'était par ONU et staff pastoral à l'alimentaire a ajouté être envisageable pour les jeunes haïtiens. Tout d'abord, monsieur le grand dicton qui dit comme ça, si vous avez changé le monde, il faut commencer par changer pour peut-être tout. Et ensuite, vous allez prendre un tour à jour la caillou et ensuite, ainsi de suite. Tellement il était capable pour les jeunes haïtiens aussi, c'est vrai. Mais nous avons tellement gagné l'autre problème. Nous avons un problème d'éducation et un problème pour nous manger nous-mêmes, donc voir pour nous penser pour la planète. Là, donc, déjà, je me disais que les jeunes en Haïti n'ont pas gagné d'importance. Et voilà que l'Ivine présente le budget, l'État a gagné pour les jeunes. Donc, ça on investit dans les bagages, c'est intérêt au gain pour lui. Le peu que ont investi, donc nous vraiment pas gagné d'importance pour eux. Et dire que c'est nous-mêmes qui l'avenir du pays. Donc, il n'y a vraiment pas d'intérêt pour l'avenir du pays. Hein. Tout d'abord, moi je pense que ça qui mette nous dans la position nous est là, pour là, c'est parce que personne ne va plaider dans la place. Même si je me dis le là, un monde n'a pas maçon, mais il a besoin de faire pasteur, il a besoin de professeur et plein d'autres bagages qui vont même dans 4 balles là. Pour le moment, moi c'est jeune, moi c'est postulant pour examen l'État. Je fais tout ça moi-même pour me passer l'examen.
dans chaque stade que oui, assurez que vous faites tout ça pour faire correctement, pour performance dans ça vous faire. Tout le monde a pas agi, vous faites ça vous pour faire avec performance, avec brio. Donc, ça me pense que c'est un meilleur résultat. Bon, je pense que c'est une très belle activité. Parce que tout le monde est content de participer à l'activité. C'est une très belle initiative, Journée internationale pour jeunes. C'est une très belle initiative parce que de nos jours, pas trop de gens qui pensent à une réflexion sur la situation jeune à vivre en Haïti. Donc, je pense que c'était une très belle activité, une très belle initiative de la part de dirigeants pastoraux. 3-10 ans que c'est nous qui avons un avenir pays. Donc, nous avons un meilleur jeune plus en considération. Je dis à la, nous avons célébré la Journée internationale de la jeunesse que l'ONU était choisi pour fêter chaque 12 août chaque année. Donc, nous-mêmes dans le pastoral, là, nous n'avons pas été indifférents. Nous organisons une activité sur la situation jeune. Et nous faisons sous thème, c'est transformer le système alimentaire, l'innovation des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète. Et nous-mêmes dans le pastoral, là, c'est sous thème ça, ONU. Et organiser et nous-mêmes dans le pastoral là nous questionner thème ça, nous demander est-ce envisageable pour un jeune haïtien. Donc c'est plus sous aspect ça que nous-mêmes nous réfléchis dans le pastoral là à l'occasion de la Journée internationale des jeunes. Donc poser question ça lui permet que nous garder est-ce que les n'a parlé de transformer le système alimentaire, est-ce que les n'a parlé de innovation quand jeune pour santé humaine et santé planète là, est-ce que nous-mêmes en Haïti, est-ce que ça lui envisageable pour Haïti, est-ce que nous avons parlé de ça pour Haïti? Donc Haïti par rapport avec jeunesse haïtienne, par rapport à ensemble difficultés que nous avons rencontrées, par rapport avec difficultés qui campent devant nous, est-ce que nous avons entré dans la logique faire réflexion l'union. Et nous-mêmes dans le pastoral là, nous tout profiter occasion ça pour nous questionner, pour nous permettre que jeunes yo font ensemble questionnement sur la vie, sur les conditions de vie comme jeunes en Haïti. Même en Haïti, nous faisons choix médiocrité et tout choix nous fait ces dernières années ça, il paraît clair, nous faisons choix pour ne pas avoir université importance en garder budget université, nous faisons choix pour ne pas avoir sport importance en garder budget sport là, garder conditions études dans l'université, garder problème bibliothèque université d'état d'Haïti, garder d'abord dans lycée professeur pas touché. Nous fait un choix qui m'a dit et choix ça mais clair, nous pas fait choix études, nous pas fait choix garder faire recherche, nous fait choix pour n'avoir monter, nous fait choix garder garder qui bon orienter comme yo. Donc et ça vient provoquer, ça vient faire ça le bail jodi à la université a qui censé écraser université a qui pas permettre que moun fè recherche et garder étudiants autour dans cadre mémoire et c'est avec une pile difficulté yo étudiant d'arriver travail en mémoire, d'arriver faire en mémoire et l'arriver faire en mémoire c'est l'arriver faire ça c'est juste l'faire et puis là gagne deuxième table sectorielle sur secteur de l'alimentation que nous gagnons pour PNCS et table sectorielle ça son table sectorielle pour cantine scolaire. Depuis parler de cantine scolaire, ça veut dire c'est bail tout monde manger dans l'école. Dans l'activité ça jeudi, nous gagnons avec nous toutes partenaires qui alors nous t'a supposé gagner toutes partenaires qui fait intervention au niveau de cantine et sous tout pays nous gagnons organisation non gouvernementale, nous gagnons organisation étatique et tout. Parce que là nous parler de cantine scolaire, nous parler non seulement de manger, nous parler de hygiène également, c'est ça que fait n'après nous gagnons dîner pas avec nous. En plus de toute organisation et non gouvernementale, nous gagnons ministère de l'éducation nationale qui c'est ministère de tutelle nous qui là avec nous. Donc en gros, c'est tout le monde ça qui présent dans et activité ça et c'est une activité d'une grande importance pour le programme national de cantine scolaire parce que c'est inclus dans la politique nationale de cantine scolaire qui est en révision pour l'instant. Mais c'est une activité qui entre dans le cadre normal, l'activité que PNCS a dû réaliser. C'est vrai que c'est une activité qui a gagné plusieurs années, capable de dire plus de 4 ans qui n'est pas réalisé. Mais nous sommes arrivés ça a 3 mois de cela. Et par rapport à thème de référence que nous définissons dans le groupe ça qui est le groupe de table sectorielle, nous définissons que c'est chaque 3 mois que la rencontre ça même la privée fait. Ça nous discuter, c'est surtout objectif et cantine.
Donc parce que on nous gagne mission pour nous faire opération. Nous même au niveau PDS, nous gagne mission pour nous faire régulation, ça veut dire et garder tout le monde qui a intervenu dans cantine scolaire, régulariser travail là et puis nous faire opération. Tout donc c'est une objectif c'est éviter la duplication. Et dans discussion jeudi là et nous gagne des exemples flagrants de duplication par rapport avec organisation yo qui a intervenu dans question chrétienne. Donc duplication nous non seulement j'ai des plaintes et sur le terrain et aussi organisation autour yo reconnaître que gagne duplication qui pas dépend de yo parce que c'est nous-mêmes l'état qui supposé prendre responsabilité nous et c'est ça que n'a fait là pour nous régulariser question parce que notre travail que n'a fait activité jeudi qui c'est table sectorielle là c'est une activité qui a aidé nous combattre duplication hein? Parce que nous faisons tout acteur même confronter ainsi que l'État haïtien pour permettre que nous sommes capables d'éviter la question de duplication. Il y a aussi une autre activité qu'on fait au niveau de PNCS, c'est le croisement des listes. Donc on est en train de travailler sur un programme pour croiser les listes des écoles pour que pas gagner. On l'école qui a recevoir plusieurs sources de, et d'approvisionnement en denrées. Par contre, yon l'autre l'école, gen plusieurs autres écoles qui pas joindre manger. Donc yon l'école que se voit deux sous l'approvisionnement, c'est retirer li retirer manger nan plat yon centaine yon milliers de timoun. Donc c'est ça que n'a pas évité pour nous capable permettre que plus timoun joindre manger, c'est vrai que n'a travaille sur qualité et manger aussi, n'a travaille sur quantité manger, n'a travaille aussi à ce que quand si mon nous augmenter quantité a tout en évitant la duplication au niveau et des écoles. Nous gagnons un protocole d'accord que nous signons. Alors nous pral signer parce que pas oublier que et nous ça fait nous environ 6 mois nous t'ai déjà commencé cantine nous t'ai lancé activité mais sincèrement m'a dit nous pendant 6 mois ça nous pas qu'on fait l'école aussi un protocole. Mais PNCS déjà protocole dans lui-même est disponible et ce matin on a eu une proposition et avec les autres acteurs qui proposent nous à ce que nous uniformiser, même je n'ai pas uniformisé ration yo, mais pour nous uniformiser tout outil yo, parmi lesquels protocole d'accord avec l'école yo. Et dans protocole d'accord ça a gagné sanction qui prévoit la donne pour l'école qui a dupliqué yo. N'a fait un pile d'efforts bon côté pas nous pour nous travailler sur question ça, n'a mettre outils disponibles, n'a fait suivi évaluation, fait des visites sporadiques dans l'école yo pour permettre que nous éviter ça. Mais au niveau de l'école yo tout, il y a bien déjà un protocole qui dit si que ou et fait duplication ou prend manger dans main plus que yon et acteur ou bien yon opérateur, donc ou a bien sanction. Yon la sanction c'est déjà exclu de programme et cantine scolaire d'une manière générale. Pour année 2021-2022, donc nous déjà et c'est défini un calendrier et que on est au début, déjà au début en septembre, nous avons un grand lancement de cantine qui a fait sur tout le pays. Et m'a profité et micro la presse pour me remercier FNE parce que nous avons un programme de subvention avec depuis l'année dernière, mais qui arrive effectif à Nessa et pour le département du Nord-Ouest. Et on a et tout est déjà prêt pour lancer ce projet avec FNE. Tout est dans Rio déjà là. Et n'a dit FNE qui c'est Fonds National d'Éducation. Merci déjà parce que il est arrivé et honoré partenariat avec nous pour capable réaliser projet ça. Mais c'est et exclusivement au niveau du département du Nord-Ouest. À part ça, pour le pays d'une manière générale. Le lancement et de la cantine scolaire pour cette année, l'est déjà est préparé. Et il y a une grande activité que nous déjà définie. Nous-mêmes, bon côté, pas nous tarons, mais que tout le monde bénéficie, c'est la campagne de déparasitage. Et c'est et campagne contre vert. Ça nous élève à la créole pour le monde. Parce que il y a un bagage, le monde doit manger, mais si il y a un vert, ça conduit à la malnutrition. Donc, nous ne pouvons pas entrer dans le détail ça. Donc, et si nous avons un monde manger, aspect hygiène, nous pencher sous lit. Et puis, et déparasitage, nous pencher sous lit. Donc, dans le programme national de cantine scolaire, selon la politique, là, nous supposons faire deux campagnes de déparasitage pour l'année. Donc, c'est ça que fait.
n'a commencé avec première campagne là au début de l'année scolaire et dans fin année scolaire là n'a fait deuxième campagne et de déparasitage là pour tout le monde. Activité ça d'abord journée ça créée depuis 1998 côté que était 140 pays qui étaient chita ensemble et fait 5 jours de réflexion sur problématiques qui ont été enregistrées surtout dans catégorie population qui c'est les jeunes côté que à l'époque déjà t'es un paquet de problèmes sécurité alimentaire éducation santé sexuelle reproductive et même avenir au point de vue économique et je dis là presque 21 ans 23 ans après nous réaliser que problématique ça a toujours existé et même nous voyons que gagner la bio qui vient empirer chiffre alarmant n'a pas parlé de 9% par exemple selon UNESCO de jeunes qui méritent scolarisés, pas scolarisés dans le monde entier. On a parlé d'une population qui, plus que moitié, qui est le tiers de la population mondiale, 1,8 million milliards de jeunes, dont qui n'ont pas gagné accès à un sécurité de service. Donc je dis à là, avec d'autres chiffres alarmants, nous voyons que l'importance chita réfléchit aborder problématique jeunesse là de façon mondiale placée. Et si nous faisons garder par bord ici, par bord la caille en Haïti, côté que l'aspect qui garde nous-mêmes en tant que communauté, en tant que société, chiffre toujours plus alarmant, si nous regardons le profil démographique haïtien, la moitié de la population n'a pas 21 ans, et nous avons l'autre élément, l'autre indicateur qui montre que nous n'avons pas d'effort que société pour nous faire surtout avec l'aspect jeune. Nous avons parlé de surtout volet éducation, accessibilité d'abord aux services de santé. Nous avons un indicateur qui est alarmant autour de mortalité maternelle en lien avec les jeunes. Et puis, ce qui mène nous, bien sûr, dans les affaires pour famille, qui c'est santé de la reproduction, santé sociale et reproductive. Côté que nous avons des chiffres alarmants autour de la mortalité maternelle et liée à la grossesse non désirée. Grossesse non désirée qui c'est afin de petites filles ou jeunes filles qui ont tombé enceinte sans eux pas besoin, sans pas planifier et tout impact que ça gagne sur vie et sur communauté. Nous connaissons l'association pour la promotion de la famille haïtienne fondée en 1984 et donc nous là très longtemps, plus de 36 ans en Haïti. Donc, et nous, la principal domaine d'intervention, nous connaissons, c'est dans le domaine santé sexuelle et reproductive, avec l'autre thématique connexe. Santé sexuelle et reproductive, c'est vrai, en Haïti, longtemps, il était considéré tant qu'un tabou, et même parfois, on manque de priorité par rapport à problème qui gagnent dans le domaine ça. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes dans nos familles depuis plus de 36 ans, nous combattons pour justement pour santé sexuelle et reproductive gagner place comme priorité dans et stratégie nationale. Yo. De ce fait, nous sommes venus en 2006 avec le programme Jeune, qui c'est un programme qui était établi à travers trois espaces que nous avons ouverts, qui c'est dans Jacques Mel, dans le sud-est. Dans l'ouest, dans Port-au-Prince et dans Port-de-Paix, dans le nord-ouest. De 2006 à 2010, trois espaces qui étaient dédiés à jeunes. Côté jeunes, ils ont exprimé, joignent bon gens d'informations sur tout ça qui a trait à la sexualité, tout ça qui a trait à la santé reproductive, justement. Côté dans espace ça yo jeune te ka fait des espaces de réflexion pour réfléchir sur certaines thématiques en lien à la santé sexuelle et reproductive mais tout yo te conjoint bon gens éducation tout pour yo connaître pour gérer la vie yo pour faire des choix éclairés en ce qui a trait à leur orientation et santé sexuelle. Dian nous présent là ensemble avec nous donc c'est jour Dian donc n'a commémoré largement journée internationale ça. Dans le programme nous aujourd'hui, dans la journée internationale, ça, nous gagnons pas mal d'activités. D'abord, nous gagnons un panel de conférences ensemble avec deux intervenants. Nous gagnons le docteur De Castro qui est un intervenant. Yo. Et puis après ça, nous gagnons l'autre intervenant qui est venu pour le panel là, qui est Jemina Petit Homme,
OK. Donc intervention que on va le faire c'est sous une thématique côté que c'est toujours dans quatre sensibilisation, c'est enceinte en vanlaise, situation risque à problème. Donc il y a gardé genre de problématique ça. Parce que tout à l'heure docteur Descasso t'a parlé nous de toute problématique, tout problème que jeunes yo fait face depuis 98, depuis 2000, OK? Et problème ça est toujours présent. Donc nous même au niveau de la profamille, nous toujours concentrés, nous toujours été sur eux et nous toujours sensibiliser à propos de problèmes ça. Par exemple actuellement, nous regardons qu'il y a un pile monde qui est victime, nous avons deux jeunes filles qui sont victimes et dans situation gang armée côté que déplacé, il y a qui est victime de viol, donc il y a une violence sexuelle. Donc problème était là et est toujours là. Donc nous toujours sensibiliser. Donc thématique ça est vraiment important. Donc panel là chita souli. Ensuite, puisque nous avons parlé de jeunes, nous n'avons pas dit nous avons deux jeunes pour ne pas parler de talent, pour ne pas parler de compétences. Donc jeunes nous, dans trois clubs nous, ils ont gagné un pile talent. Ils ont gagné un pile talent. Donc dans la journée aujourd'hui, nous avons un pile jeunes qui pourraient montrer que talent ils ont gagné dans différents domaines. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché. Écoutez, qu'attendez des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.